Shalom, shalom, bienvenue à notre chère émission. Il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur le phénomène mari et femme de nuit, ou esprit incube ou succube. Nous avons largement parlé sur les signes révélateurs de mari et femme de nuit. Là, on s'est beaucoup entretenu, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous exprimer leurs problèmes. Vous aussi, si vous sentez que vous êtes concerné et que vous avez besoin de la délivrance, ne manquez pas de nous appeler à propos. Bien-aimés, quelles sont les portes d'entrée de ces esprits, mari et femme de nuit? Première porte d'entrée, ce qui permet à ces esprits d'entrer. D'abord, ce sont des films pornographiques. Donc, tout ce qui est pornographie, que ce soit film, photo, danse, chant, roman, ça ouvre des portes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la pornographie, nous voyons, il y a exhibition du sexe. Nous voyons, il y a, on montre la nudité des gens. Soit les gens sont tentés de faire des relations sexuelles, soit ils exposent leur nudité pour essayer d'exciter d'autres personnes. C'est pour cela qu'on parle de la pornographie. Alors, il y a des films pornographiques. Beaucoup de gens les ont dans leur téléphone. Et l'usine de la pornographie est parmi des usines qui produisent beaucoup d'argent. Ça, c'est le diable. Et d'autres personnes regardent ça au travers des bandes dessinées, au travers des photos, au travers des chansons. Il y a des chansons purement pornographiques. Une chanson mais, qui stimule des instincts sexuels. Et au travers des romans, tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que Job dit à propos de ceux qui suivent ces films. Attention même avec certaines séries. Certaines séries sont purement démoniaques et conduisent l'homme vers la pornographie. Job chapitre 31 verset 1er. La Bible dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc, Job s'est dit que il a fait un pacte. Il ne peut pas arrêter ses yeux sur une vierge. C'est-à-dire, il ne voulait pas regarder la nudité d'une jeune fille. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à part ta femme, à part ton mari, abstiens-toi à regarder des nudités, des nudités, des films qui ne glorifient pas Dieu. Veillez, sanctifiez vos yeux. Veillez sanctifier vos oreilles, car cela, c'est une grande porte, une porte largement ouverte vers les phénomènes mari et femme de nuit. Deuxième élément qui ouvre la porte, ce sont des disputes dans les couples. Les disputes dans les couples. Bien-aimés, lorsque les couples se disputent, vous devez vous dormir en colère. Et peut-être que l'autre a besoin de sa femme ou c'est la femme qui a besoin de son mari. Et pendant ce temps-là, vous vous êtes tourné le dos. Alors, bien-aimé, cet esprit pouvait en profiter au travers de votre rêve et vous vous sentez soulagé. Alors, ça devient une habitude et après, c'est la servitude. Ce n'est pas pour rien que dans Éphésiens 4, 26 à 27, l'apôtre Paul nous interdit de dormir sous la colère. Car si vous dormez sous la colère, la protection de Dieu se retire. Troisième porte d'entrée, c'est l'exposition des parties intimes du corps. Lorsque vous vous habillez très mal, lorsque vous avez l'habitude d'exhiber vos parties intimes, vous exposez vos seins, vos cuisses, votre nombril, vos fesses,
tout ça, tout ce qui peut exciter, tout ce qui peut attirer. Bien-aimés, vous êtes en train d'ouvrir une grande porte. Veuillez vous habiller correctement, veuillez vous habiller décemment. Ce n'est pas pour rien que la Bible en parle, la Bible a toujours eu raison quelque part. Et beaucoup de gens que nous avons délivrés, après l'entretien, on a compris que c'était l'exhibinisme, le fait d'exposer leurs parties intimes. Même toi, mon frère, habillez-vous correctement. Évitez d'exposer votre poitrine, tous les poils à l'extérieur. Mettez les sous-vêtements, ne vous promenez pas comme ça. Parce que tous ces éléments sont ces choses qui ouvrent les portes. Quatrième, ce sont des habillements ou des tenues provocateurs ou qui exposent en public les parties intimes de votre corps. Évitez de porter des tenues sexy. Évitez de porter des tenues sexy. C'est très important. Alors, lorsque vous portez des tenues sexy, alors les esprits peuvent aussi vous convoiter, comme nous avons lu l'autre fois dans Genèse 6, que les esprits ont convoité les filles des hommes. Cinquième, la dot qui n'est pas bien réglée ou qui a laissé des mécontentements. Alors, peut-être que l'homme n'a pas payé la dette de la femme. Cher papa, veuillez honorer votre femme. Du fait d'épouser votre femme, coutumièrement, ça le protège aussi des phénomènes mari de nuit. Et vous aussi, du fait que vous êtes marié légalement, ça vous protégera aussi des phénomènes femme de nuit. C'est très important. Cet argent qu'on donne, des paroles qu'on prononce là, les paroles ont des puissances. La parole a une grande puissance. Ce monde a été créé par la parole. Alors, mariez-vous légalement, prenez votre femme légalement et ça les couvre. Mais lorsque, pendant la dot, il y a des mécontentements, attention, ne prenez pas la femme par défi. N'allez pas dans le mariage par défi. Peut-être la personne qui est en train de compliquer des histoires, peut-être il a un intérêt spirituel que vous ne savez pas. Alors, il faut bien voir des choses. Sixième, les relations intimes entre les personnes du même sexe. Ce système aussi, ça attire beaucoup de phénomènes mari et femme de nuit. Hein? Lorsque vous êtes lesbienne, lorsque vous êtes homosexuel, bien-aimé, vous attirez les femmes de nuit, vous attirez le mari de nuit. Parce que les démons voient quand vous êtes une femme, vous pouvez sortir avec une femme. Alors, ce démon qui prend la forme masculine peut venir chez vous. Ou ce démon qui prend la forme féminine peut venir chez l'homme qui va chez d'autres hommes. Et septième, les rapports sexuels non satisfaisants. Ça, c'est pour les mariés. Et les désirs d'une femme montent au fur et à mesure. Quand une femme, vous êtes avec votre femme, les hommes, nous sommes comme des ampoules. Pas la lumière donne, pas la lumière s'éteint. Les femmes sont comme des plaques chauffantes. Elles montent petit à petit. Alors, lorsque l'homme, vous allez avec votre femme, le laissant encore au débit, alors vous coupez l'appétit comme cela, la femme peut commencer à vivre des fantasmes et ces fantasmes peuvent amener au phénomène mari et femme de nuit. De même aussi, chère maman, évitez de priver votre mari sans raison, hein, sans raison valable. La Bible dit que sauf en cas de maladie ou pour raison de prière, là, vous pouvez vous priver, évidemment, d'un commun accord. Et il faut en parler dans les couples, avec votre femme, avec votre mari. Voilà, il y a ça. Mais sinon, ne laissez pas l'autre dans sa soif, sinon ça peut occasionner
ces phénomènes mari et femme de nuit. Huitième cause, je vais parler des cadeaux suspects. Attention avec certains cadeaux. Il y a des cadeaux qui sont piégés. Admettons que quelqu'un qui n'est pas votre copine, mais qui vous fait les cadeaux de sous-vêtements, qui vous fait des cadeaux de parfums, alors il vous fait des cadeaux de bijoux, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Certains téléphones. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours prier pour tous les cadeaux qu'on peut vous donner. Mais dès que vous les trouvez suspects, attention, les cadeaux suspects offerts par des personnes étrangères au couple, pour ceux qui sont déjà mariés, on vous amène un cadeau et ça vous complique. Je connais le cas d'une famille où on leur a donné une statue qu'ils ont mis dans leur maison et à partir de là, la femme a commencé à se voir visiter la nuit et ne comprenait pas que c'était cette statue-là. Jusqu'à ce que les frères sont venus après la prière, ça s'est révélé que cette statue-là, derrière la statue, il y avait un esprit qu'on avait chassé et brûlé ensuite la statue. Neuvième, le sponsoring dans les mariages. Chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore prêts, alors ne vous aventurez pas dans l'histoire du mariage. Le fait de dire que je vais me marier, mais c'est l'oncle qui me prendra en charge, c'est le cousin qui me prendra en charge, vous ne connaissez pas l'état d'âme de ses cousins. Et je connais un cas bien-aimé où un frère qui voulait épouser sa femme, c'est son frère en Europe qui a pris cela en charge. Il a tout arrangé, même des invitations étaient venues de l'Europe. Alors, il n'avait pas compris, en principe, on met dans les invitations des alliances, mais il y en avait trois. Mais ils ont minimisé cela, ils ont distribué et c'était une grande fête. Mais après le mariage, la femme réalisait qu'elle dormait au milieu entre des hommes. Curieusement, même si elle allait au coin, mais dans son profond sommeil, elle se trouvait toujours au milieu et le mari dans l'autre coin. Et à côté, il y avait encore un autre mari. Alors, il a dit cela à son mari, au mari physique. Alors, il ne parvenait pas à comprendre. Alors, après la prière, alors l'esprit mari de nuit a apparu qui c'était le sponsor du mariage. Attention. Et nous avons vu le même cas avec les parrains. Les parrains qui a possédé la femme, qui est devenu son mari de nuit, et la marraine a possédé l'homme qui est devenu sa femme de nuit. C'est un peu bizarre. Avant de chercher les parrains, priez et évitez les sponsoring dans les mariages. L'homme, battez-vous comme David a tué 100 Philistins pour avoir, a tué même 200, on lui a demandé 100. Il a tué 200 et a amené les 200 prépices comme dot pour la femme Michal. Battez-vous comme Jacob qui a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel. Il n'y a pas de dot plus cher. Faites un effort, si vous aimez, sacrifiez-vous pour avoir votre femme, mais évitez les histoires de faire part. Car vous ne savez pas qui donnera quoi. Et je me limite aujourd'hui par le mariage par commission, sans amour. On fait une commission pour vous du village. On vous prend une femme de l'Europe. On vous prend une femme. C'est bien tout cela, mais vous ne savez pas. Est-ce que celui-là ou celle-là est-il d'accord? Est-ce qu'il est d'accord? Alors, oui, il y a des mariages par commission qui ont tenu. Isaac n'avait pas vu Rebecca, mais c'est le serviteur d'Abraham qui l'a amené. Et puis, Makambo et Tambola qui vient. Mais, bien aimé, il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Priez, parce qu'on peut vous amener quelqu'un qui est déjà possédé des phénomènes mari et femme de nuit. Et ça peut vous compliquer. Ça peut vous compliquer dans votre maison. Aujourd'hui, j'ai cité juste 10 ouvertures. Il y en a 30. Nous allons continuer la fois prochaine.
N'oubliez pas, c'est tout ce que nous avons déjà dit, la pornographie, attention, avec les films et les photos pornographiques, les disputes dans les couples, d'exposer les parties intimes du corps, les habillements et des tenues provocateurs, il faut éviter, il faut bien payer, bien régler la dette, éviter les relations intimes entre des personnes de même sexe, des rapports sexuels non satisfaits, ça c'est pour les mariés, les cadeaux suspects, attention, les sponsoring et les mariages par commission sans amour qui provoquent une certaine insatisfaction et qui ouvrent la porte aux démons dans les couples. Bien-aimés, on se limite là pour aujourd'hui, mais j'aimerais prier pour quelqu'un peut-être qui s'est retrouvé dans ces histoires, que le Seigneur puisse vous aider. Peut-être tu es tenté de te battre pour savoir comment tu peux t'en sortir de ce phénomène mari et femme de nuit. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'à 18, il dit qu'il est venu libérer les captifs. Toi qui es prisonnier de mari de nuit, prisonnier de femme de nuit, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et cherche la délivrance. Je vais prier pour toi. Peut-être que aussi tu l'as déjà réussi dans ta vie, mais le démon est là. Peut-être à cause des films que tu suivais. Peut-être à cause de ton habillement. Peut-être à cause des cadeaux que tu avais reçus et cela t'avait possédé. Mais le Seigneur peut te délivrer. Commence par demander pardon. Seigneur mon Dieu, je te demande de pardonner mon frère, de pardonner ma sœur qui a ouvert la porte à ces esprits, mari et femme de nuit qui l'ont possédé. Peut-être à cause des genres de films qu'il a suivis, peut-être à cause de ses habillements, peut-être par des chansons qui le suivent. Peut-être, Seigneur, nous ne savons pas comment est-ce qu'il a ouvert la porte. Mais Seigneur, quelle que soit la façon dont l'esprit est entré, toi, tu es capable de les délivrer. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au mari de nuit, j'ordonne à la femme de nuit de quitter ce corps. Toi, mari de nuit, quitte cette fille. Quitte cette fille. Je déclare la séparation de cet amour, le divorce au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, quitte cette fille au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de mariage spirituel. Ce frère doit se marier physiquement. Cette sœur doit se marier physiquement. Il doit jouir de son mariage physiquement et non avec un esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le déclare libre. Seigneur de gloire, toi qui es venu nous affranchir, la Bible dit que si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Affranchis mon frère, affranchis ma sœur de cet esprit de mari et femme de nuit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci mon frère, ma sœur, pour tout le temps que nous avons passé ensemble. Si vous avez besoin de notre aide, de notre soutien, ne manquez pas de nous appeler. Veuillez liker, bien-aimés, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous déjà pour que vous ne puissiez pas rater des émissions qui vont suivre et vous pouvez aussi récupérer des émissions déjà passées. Et surtout, je vous en prie, par amour que tu as envers Dieu et envers tes semblables, ne manquez pas de leur partager cette émission. J'ai aimé, il y a des gens qui m'ont dit qu'il a appelé toutes ses cousines, une maman qui m'a dit qu'il a appelé toutes ses cousines. Et ils ont suivi cela en famille et après c'était un débat. Et après c'était accompagné de prières. Faites la même chose et le Seigneur sera glorifié. Et quand ils seront libres, vous verrez que leurs mariages vont prospérer. Ceux qui ne se sont jamais mariés vont se marier. Regardez des jeunes filles, comment elles ne sont pas encore mariées. Si jolies qu'elles sont, il faut que cet esprit puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.